Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes là depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Nous allons démarrer tout de suite avec information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes là encore voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Et puis si t'es première fois visiter nous tout, qualité information nous partager ou intéressé, ou capable abonner avec TV Caraïbes et puis pas oublier ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Et ça t'a impressionné nous en pile. Sous des capable aider nous grandir chaîne ça. Et bien nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information yo. En nous. Secrétaire général organisation État américain Louis Amgo entré ici dans Haïti 6 janvier 2021. Secrétaire général OEA gen pour rencontrer avec président République là Jovenel Moïse. Et n'a vle fort connait tout Haïti gen pour assurer précédence organisation hémisphérique là sorti 1er avril pour arriver 30 juin 2021 d'après ministre affaires étrangères Bouchi Dedmon. Commissaire gouvernement Croix des Bouquets Maxime Augustin visité lundi 6 janvier 2021 pénitencier national. Visite ça a fait pour permettre plusieurs prisonniers qui sont dans la juridiction Croix des Bouquets passer devant juge naturel yo. L'autre information nous gagne pour vous, tout le monde qui achète des armes et ammunition dans mes habits, gagne semaine ça pour reporter toute bas autorité. Sinon, autorité yo pral mette yon liste de yo d'après responsable commission nationale des armements. Eh bien, ces points ça nous pral développer pour nous pas perdre du temps. N'a pas commencé cool, yeah! Comme vous savez, Haïti est membre fondateur de l'Organisation des États américains. Et je dois vous annoncer à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin, la République d'Haïti assumera la présidence du Conseil permanent de l'OEA et je suis sûr que le chef de l'État aura aussi à discuter avec le secrétaire général à ce sujet. Et je voulais, au nom du chef de l'État, et souhaiter le bienvenue au secrétaire général en Haïti. Nous sommes très contents de l'avoir ici et nous espérons qu'il aura l'opportunité d'avoir une conversation, un dialogue fructueux, non seulement avec le président de la République, mais avec d'autres secteurs de la vie. Il y a une majorité de détenus qui l'a, eh bien, c'est des prisonniers qui sous compte juridiction Croix des Bouquets. Et le fait que gagne toute distance ça y est, de Croix des Bouquets à Port-au-Prince, ça permet que ou pas joindre présence détenu ça yo si toutefois que un jugement est en délit dans un moment non temps qui est parti. Donc si pas qu'il besoin et extrait li ou pas cap joindre ni, ça cause problème. Et l'autre raison qui gagne c'est que il y a des gens qui là que yo arrêté qui gagne 12 ans prison, qui gagne 5 ans prison, qui gagne 7 ans prison, qui pas jamais passé devant juge naturel. Et bien je dis à nous vini, donc paquet Croix des Bouquets les déplacer et qui après que m'accompagner avec le commissaire et Guillaume et aussi nous accompagner nous de yon organisation droit moun qui c'est JSSP et bien qui et prendre des informations qui dit que l'étape de bon ton pour que nous vini là. Et de fait, nous venons et nous voyons que les bagailles, c'est écœurant. Les gens qui ont arrêté, c'est pour une simple infraction. Ils ont fait simple. Qui ont gagné 10 ans pour une voie de fait simple. Eh bien, nous autres, dans Croix des Bouquets, nous déterminons, et surtout cette nouvelle année, et que moi t'ai dit, nous avons marché pour nous faire travailler. Nous. Et c'est ça qui est une autorité. Ce n'est pas dit pour d'où ça pour faire. Eh bien, nous, ouais, nous tendons là, nous allons analyser. Nous avons deux barrières que nous avons faites. Pour les barrières, il y a des infractions qui sont plus ou moins lourdes. Eh bien, nous avons arrangé nous pour nous faire canaliser les, pour les aller devant le juge naturel. Il y a des infractions qui sont simples. Nous avons analysé, qui ne sont pas devant le cabinet d'instruction. Nous, même dans le paquet, nous allons analyser et s'il le faut, pour nous procéder à la libération moun sa. 3 fusils d'assaut, 2 M4, 3 chargeurs sans cartouches, 2 gilets par balles, plusieurs boîtes cartouches et grenades. Ces quantités de matériel sa yo, Commission nationale des armements, démantèlement après réinsertion présenté dans le cadre, remise volontaire des armes illégales
certains moun a utilisé sur territoire. Yon nan 9 membres commission Abel Lalan a porté plus explications sur fonctionnement matériel sa yo. Nous gagnons 3 fusils d'assaut. Yon se yon M4 simple qui tire cartouche 5.56. Nous gagnons 2 lots qui c'est M4 yo et tout, mais yo gagnons wap gade wap wè yo gagnons l'autre compartiment en bas bouche là. En bas canon. Compartiment ça lui même c'est pour tirer grenade ça là et mes grenades yo nous gagne grenade qui pour faire bruit et puis nous gagne grenade qui pour faire la fumée ça c'est ba ou utiliser dans temps de combat on dit ennemi localiser kotoyé ou voyer grenade là pour kagé t'en déplacer pour pas wel même pas utiliser ça là dans pays pas nous là même mais je t'ai trouvé le nécessaire pour eux-mêmes pour gagner. L'autre bagage pour nous préciser c'est que à part de chargeur qui prend 30 cartouches, nous gagne chargeur ça qui prend à peu près 100 cartouches. Sur l'autre temps on est campé. Il gagne chargeur ça full l'a tiré sur web qui quantité cartouches on seul monde qui gagne dans même avec un chargeur comme ça et nous gagne 3 comme ça là. L'autre précision que me besoin fait c'est dans cartouche. Nous gen cartouche 5.56 ça. Yo marqué full metal jacket. Cartouche ça son série de cartouches même en temps de guerre yo illégal. Gen des conventions qui dit pas quand même utiliser pour tirer sur monde. Parce que pas même gen gilet vraiment vrai qui ca camper cartouche ça. Et c'est cartouche qui est très dangereux. Imaginez, nous gagnons la police. Nous gagnons la police qui n'est pas trop bien équipée et puis qui prend rentrer pour te bourrer sur un monde qui a un genre de matériel. Ça, on a même. Gilet pas baloué qui l'a eu. La police pas gagné. Parce que eux même, ils sont si tellement lourds. Si vous mettez ou pas foutre machin 100 mètres, sous pas de gain, on formation qui pour quelqu'un beau. C'est pour montrer la police n'a pas gain genre de matériel ça. Mais bon, comme ça là, c'est non mais un seul monde que nous jouons ni, ce nous pas connait non mais qui l'autre monde qui dans l'autre quartier qui gain même genre de cartouche ça. Qui a moun kap vann et moun sa yo que la police pa fait des interventions dans quartier yo la police c'est à ça yo que li ka joine comme réponse. Commissaire Jean Ebel Dorsena encourager moun ki gen zam illégal nan men yo pou yo remettre bay commission. Nous te gen information yo sou plusieurs moun kap vann produit sa yo en Haïti et nous même dans CNDDR nous pa vinn fè nous pa konn moun yo nous pa zanmi yo. Nous pas gagné avec eux. La police fait travail. Nous même dans CNDDR, nous menons propre enquête par nous. Et nous joignons information ça. Et nous avons tout dit, je dis, les gens qui achètent les armes dans les mains, M. Abi Lakou, nous connaissons. Nous connaissons l'institution. Et nous avons eu une semaine. Si vous ne pouvez pas porter les armes dans CNDDR, vous ne pouvez pas. La police peut aller prendre charge avec la justice dans le business yo, et nous connaissons. Ça nous est avant rien devant l'autre, ça nous a acheté. Nous connaissons un monde, d'après information nous gagnons, qui gagne 30 fusils en même. Et Haïti parle en guerre. Zam sa yo, ce n'est pas pour nous gommer avec aucun autre pays, c'est pour petite terre y acheter ça. Je ne veux dire. Quand tu te cartouche ça, c'est une grande vie nous sauver en CNDDR. Sans pile vie nous sauver, c'est la vie nous porter. Nous pas porter la mort, nous pas porter insécurité. Commission nationale des armements, démantèlement et réinsertion a continué à rencontrer groupe AMEYO pour sensibiliser dans l'idée pour faciliter la campagne des armements. Il y a une nécessité pour contribuer dans l'instauration de la culture de la paix dans le pays pour venir nous remettre. Ok, sous identité. Les gens qui
t'a remettre de manière volontaire quantité équipement et munitions que nous avons là. CNDD a réservé le droit pour qu'il y ait sérénité de travail. Pour que l'autre monde qui prend à manifester même volonté ça, puis venir remettre ZAM, puis pas connaître CNDD pour avilir, et que l'autorité police et judiciaire, yo a travaillé de concert avec nous, yo a assez d'informations, et faire confiance, et Métropole, et toute la journaliste qui est présent là, yo, chaque monde qui vient remettre ZAM, nous pas obligé à vilir sous la place publique parce que c'est un acte héroïque parce que nous sommes capables toujours qu'un besoin ça et faire des agréments avec. Ça, c'est le premier élément d'information. Deuxième élément d'information, sous qui quantité elle disposait, nous même dans le niveau CNDD, là, nous avons une cellule qui travaille avec autorité policière et judiciaire, sous renseignement, sous information, faire une confiance sur assez d'informations sous chaque grain citoyen. Qui n'a trafic ZAM, qui n'a question et contrebande, munitions, etc. Bref, sous base ça, nous pensons et nous pas partager avec la presse information et nous dit ça, nous encourager l'autre monde qui a matériel, équipement, ça va de manière illégale. Commission nationale des armements, démantèlement et réinsertion, créée dans la date 27 février 2019, l'installé 11 mars 2019, mission CNDDR, c'est renforcer capacité l'État pour développer une culture de la paix dans le pays et puis dialoguer avec Silayo qui a fonctionné à l'examen illégal dans le pays. Yon journée kalra poursuivre dans le palais national en présence diverses autorités locales et internationales. Président République Jovenel Moïse m'a dit tout secteur dans la vie nationale là mettez division dans campé loin. Chef l'État a fait remarquer moment bilan et perspective l'arrivée. Tout le monde doit sentir concerné dans situation difficile pays à vivre journée jeudi. Encore une fois, nous invitons tous les fils et toutes les filles de cette nation, toutes les forces sociales économique et politique, toutes les élites à construire un lendemain meilleur pour les générations à venir, à être positif, à ne pas chercher de prétexte pour encore une fois rater l'occasion de se retrouver sur le chemin de l'histoire ensemble. L'histoire ne nous pardonnera pas, vous et moi, quelles que soient nos divergences politiques. Nous devons nous donner la main, nous asseoir autour d'une table pour discuter ensemble des réformes qui permettront au pays d'être gouverné, d'être mis sur les rails du développement durable. Mes chers compatriotes, en ce début d'année, de nombreux défis interpellent notre nation. Nous devons les relever tous ensemble. Chef l'État Pat Manke fait songer, année 2020, c'est une année, côté toute décision qu'a bon pour pays à doué prend, dans un esprit tolérance une pour l'autre. Cérémonie ça a fini sous un défilé fanfare palais national, soldats force l'armée d'Haïti, ak agent, police nationale là. Anniversaire, c'est moment souhait. Mais c'est moment bilan tout. Souhait yon a kolot pour ça nous t'a remé qui bon rivé. Bilan pour nous garder côté nous sauti, côté nous yé qu'on y a, et qui côté nous doit arriver ensemble. On est qui route la pour avec pays. Parce que, quel que soit côté ou sauti, quel que soit parti politique ou sauti, quelle que soit l'idéologie politique ou pas capable de concerner par misère, fait noir, sifacturation, fraude avec évasion fiscale, manque d'accès à crédit, nous tous concernés par ça. Je dis, c'est chaîne seulement qui casse nos pieds, nous, nos mains. Mais nous toujours été esclaves, pauvreté extrême. Nous toujours été esclaves, insécurité. Nous toujours été esclaves blackout. Nous toujours été esclaves contrebande.
Nous toujours été esclaves si facturation qu'a fait dans l'État. Nous toujours été esclaves fraude et évasion fiscale. Nous toujours été esclaves manque accès à crédit. Ça veut dire nous toujours kembé en catégorie monde dans misère parce que nous pas décidé par l'État tourner en l'État serviteur qui pour venir nous servir nation. Nous pas décidé retirer l'État en bas griffe en minorité pour nous mettre le service en majorité. Nous pas décidé yon garder l'autre dans les yeux pour nous dire nous-mêmes élite yo. Nous arriver pour nous mettre tête ensemble pour nous travailler pour ça qui peut faire bien. L'argent contrebande, l'argent fraude avec évasion fiscale, l'argent surfacturation, c'est cancer au pays d'Haïti. Nous devons combattre yo à toute force. Dans marche ça, hein? Président Fédération l'Église protestant, Pasteur Calix Florido, mentionnait diverses raisons peuple haïtien gagné pour louer bon Dieu. Somme 150 qui présentait plusieurs façons pour monde bailler bon Dieu gloire, tes somme activité ça. Tout le monde faut que conscient pays a pas bien marché. Tout le monde faut que conscient tout le monde besoin à l'école. Tout le monde faut que conscient nous besoin changement systématique dans le pays d'Haïti. Donc ça nous croit que un seul monde pas capable, un seul groupe pas capable. Donc c'est pour tout groupe dans la vie nationale là, tout secteur dans la vie nationale là, mettez tête yo ensemble pour nous joindre une solution pour nous sortir pays d'Haïti dans salier là. Fidèle yo qui t'a défilé pendant yo t'a chanté, danser, pas trivé caché satisfaction yo. Attends pile nan yo, c'est pour bon Dieu changer situation pays là pendant la pété bon sentiment dans que chaque grand haïtien pour yo ka vivre bien yon ak l'autre d'après ça yo fait connait. Bon depuis m'tande match la fait a bay bon Dieu gloire surtout dans premier jour nan année a moi disposé pour m'vinn nan match là. Surtout Haïti gon problème là dans qui son pays lock. Bon Dieu après tirer lock pour mettre love parce que en Haïti là nous tour de chaque moment de pays à lock. Mais kounya moi même non vinn motiver non pour bon Dieu mettre l'amour dans nous yon l'autre dans place l'autre pour mettre l'offre pour payer à marcher et m'da bien mais pour payer à marcher pour vivre pour nous toute ma vie bien là dedans dans les puissants noms de Jésus. C'était deuxième édition marche ça une initiative mairie d'Elman en tête collée avec Fédération protestante d'Haïti. Voilà équipe TV Caraïbes dit merci avec tout le monde qui était branché pour te cap tendre des nouvelles informations. En tout cas tout le monde merci parce que nous t'es branché, pas oublier vous nous abonner avec chaîne là c'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.